Bonjour et bienvenue à la Balise Marina à l'île Maurice. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une super villa. Je vous propose de me suivre. Donc là, Jacques, on se trouve dans le séjour de cette très belle maison lumineuse. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans les détails des spécificités ? C'est une maison magnifique. Elle est pleine de lumière. On a des puits de lumière un petit peu partout ici. C'est une maison qui est assez épurée, on le voit. Hein, le mobilier, c'est un mobilier bas, c'est un mobilier qui respecte les hauteurs sous plafond. La superficie de la maison est de 545 mètres carrés à peu près. Une très belle maison avec 5 chambres ensuite, toutes avec des salles de bain, des dressings qu'on va aller visiter d'une minute à l'autre. Et puis, elle est entourée d'un jardin d'environ 1165 mètres carrés à peu près, qui lui donne beaucoup de visibilité sur la nature. Et on l'a vu tout à l'heure, on a une belle rivière qui est derrière. La maison en elle-même est faite de matériaux très nobles. On a beaucoup de bois, elle est très contemporaine, avec à la fois un escalier suspendu par des tubes en inox qui lui donne un côté résolument moderne. Beaucoup de finesse dans le choix des matériaux. Elle n'est pas surchargée en meubles, pas du tout. Bien au contraire, elle laisse beaucoup d'espace à l'espace de vie, au style de vie que peuvent avoir les clients. Voilà. Absolument. C'est vrai qu'on est un petit peu absorbé. On a de très grandes ouvertures sur la première terrasse hein, qui longe la piscine, qui est sublime, qui est en ardoise. Et on est invité très vite sur la partie terrasse extérieure aussi, où on a à peu près 30 mètres carrés, où on peut profiter avec ses amis d'un barbecue, de cocktails. Donc c'est vrai que c'est assez agréable et même, je dirais, très tropical comme environnement. On est vraiment invité, lorsqu'on entre dans cette maison, depuis la rue, on est invité à rentrer, à traverser, parce qu'on a une nature qui est absolument unique, magnifique, de l'autre côté de la rivière. Et vraiment, c'est très beau. Absolument. Alors ici, on est à la Balise Marina, un angle de l'île Maurice absolument unique, puisqu'il n'existe qu'une parcelle, comme ça, à l'île Maurice, dans laquelle l'eau entre et dans laquelle on peut venir en bateau. Alors, dans ce jardin absolument extraordinaire, très luxuriant, très tropical, on peut voir derrière nous un bras de rivière qui va se jeter dans l'océan. Et lorsqu'on se promène un petit peu partout dans la valise, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a comme des canaux. Pourquoi des canaux ? Parce que les résidents ici sont habitués à venir avec leur bateau, à le poser devant l'entrée de la maison et hop, on rentre chez soi. Cette villa est très intéressante parce qu'elle a aussi un anneau qui est compris dans l'achat. Et ici, on peut venir avec un bateau jusqu'à 12 mètres à peu près. Et donc ça, c'est vraiment un privilège parce qu'il n'existe aucun endroit à l'île Maurice où on peut retrouver cette ambiance-là. Jacques, toi qui as aujourd'hui l'expérience quand même sur le milieu de gamme et l'art de vivre, hein, t'as quand même beaucoup travaillé dans l'hôtellerie, ouais. Maintenant l'immobilier de luxe. Qu'est-ce que tu ressens voilà, quand on passe un petit moment dans cette villa ? Bien, tout d'abord, architecture absolument magnifique. Ça pourrait être l'une des villas d'un hôtel de luxe, justement. Et l'organisation de cette villa est conçue exactement comme celle que l'on rencontre dans les hôtels haut de gamme, à savoir toutes les chambres sont en suite. Le hall à l'entrée est extrêmement invitant à aller à gauche, à droite. Les commodités sont extrêmement
fine dans les matériaux choisis. Et puis, on a une petite plage ici qui donne vraiment l'illusion d'avoir une villa très privative dans un nid de verdure. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment ce que je ressens dans cette villa. Donc Jacques, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour ce moment partagé ensemble. Si tu devais synthétiser, les trois avantages clés pour un futur acquéreur en termes de qualité de vie dans cette villa, quels seraient selon toi les trois points clés ? Je parlerai de la localisation de la villa qui est exceptionnelle. On l'a dit tout à l'heure, l'accès à la mer avec un anneau pour amener son bateau. La proximité des terrains de golf. Un petit peu partout, tout autour, donc ça c'est très agréable. Et puis, je dirais aussi la proximité du Morne et de ces plages paradisiaques qui sont probablement les plus belles plages de l'île Maurice et qui sont à 10 minutes de la maison. Voilà en gros ce que je dirais sur cette villa et tout l'aspect organisé de la balise marina. Il y a des restaurants, il y a une piscine qui est commune aux résidents, il y a un spa. Tout est pensé pour donner une ambiance très resort, très touristique en un seul lieu. Voilà Absolument. Ce que je dirais. Très bien, c'est très clair. Voilà. En tout cas, on vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. On sera très heureux de vous accueillir pour une visite privée, qu'elle soit en live ou physique. Et nous vous disons bien évidemment à très bientôt. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir tout le dossier sur cette sublime demeure. Et nous vous souhaitons une très belle journée. Au revoir. Thank you.